Le Stadium de Lille a accueilli les athlètes handisport à l'occasion d'un stage de préparation aux Jeux paralympiques, à quelques jours de leur coup d'envoi à Londres. Jamel Mastouri, athlète handisport catégorie hémiplégie, nous a reçus pendant son entraînement. Champion du monde, champion d'Europe et médaillé olympique aux Jeux de Pékin, il a longtemps couru avec les Valides avant de rejoindre l'équipe handisport il y a 6 ans. Ouais, les Jeux Olympiques, c'est un rêve pour tout athlète. Hein. C'est le Graal, comme on dit. Et si on peut, à la fin, être sur le podium, c'est vraiment le nirvana. Vraiment une fierté pour. Bah, déjà, imaginons la première place, déjà faire sonner la Marseillaise. C'est vraiment. C'est un rêve, quoi. Hein. J'ai déjà fait sonner deux fois, au championnat d'Europe et au championnat du monde. Ben, la préparation, dès les Jeux de Pékin, on renouvelle une préparation de 4 ans. Ça fait 4 ans que je travaille pour réussir 2 minutes ou 4 minutes de course le jour J. En ce moment, comme c'est, comment dire, comme c'est un stage équipe de France, ben, c'est le matin. C'est footing, c'est footing, réveil musculaire. Après, c'est sieste l'après-midi et on réattaque une grosse séance en fin d'après-midi. Pour moi, je suis normal, je suis comme tout le monde. Je ne fais pas de différence entre une compétition valide ou handisport parce qu'on est vraiment dans une compétition et on pense surtout à faire le meilleur de nous-mêmes. Se surpasser et se dépasser et voilà quoi, l'envie de gagner surtout. Et je fais pas de différence en fait entre valide en e-sport. Franchement, sur la piste, on est égaux. Franchement, tellement que ça a été intense, je vais prendre 3 semaines de repos et plus faire un seul footing. Vraiment, je vais vraiment décompresser, ressouffler. Et médaille ou pas médaille, je pense que j'aurai 3 semaines de repos et franchement je vais profiter un peu de la belle vue comme on dit. J'ai envie d'arrêter mais l'année prochaine après les Jeux on ranquille sur les championnats du monde et c'est la France qui l'organise. Hein, c'est bête d'arrêter l'année où la France organise les Jeux et les championnats du monde. Alors je pense que je vais aller jusqu'en 2013 et après je pense que je vais arrêter la compétition à haut niveau. Jamel Mastouri est arrivé 8e à la finale du 1500 mètres et 9e à celle du 800 mètres aux Jeux de Londres.